un patient triste, on essaye de le rassurer. Quelqu'un qui souffre physiquement, il faut le distraire. Typiquement, je prends en charge un patient, c'est un enfant, je vais lui prendre l'attention et je vais lui dire « Oh, regarde, ça sert à mesurer ton muscle. Oh là là, qu'est-ce que t'as de gros muscles ?» L'enfant, ça va le faire rire, ça va le distraire, il va penser à son muscle, voilà, il est fort. Et du coup, il va oublier sa douleur. J'ai déjà eu un patient qui était triste de ne pas pouvoir rentrer chez lui. Il allait être loin de sa femme. Il m'avait dit qu'il aimait le jardinage. Bah, on a parlé jardinage. Il a totalement oublié qu'il était hospitalisé. Ça lui a redonné le sourire de parler de tout ça. Et voilà, il s'est senti mieux. M'occuper des patients, leur redonner le sourire, voir leur bonne humeur, qu'ils nous disent merci à la fin quand ils partent. Le plus beau cadeau qu'ils puissent nous faire, c'est nous remercier, nous dire ça s'est bien passé parce qu'on était là et c'est super.